Alors la gare de Mignaloux, c'est une gare qui est importante si le TER Jardres-Mignaloux est remis en service. Aujourd'hui, on a une ligne Jardres-Mignaloux qui accueille du transport de marchandises. Et nous, on voudrait qu'en plus des marchandises, il y ait aussi des voyageurs. Cette gare-là, elle est aussi sur la, pas loin de la RN147, où il y a un projet, enfin différents projets, qui s'appelle initialement le contournement est de Poitiers, qui vise à détourner le flux de circulation de Mignaloux, du centre-ville de Mignaloux. Donc ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait un transfert modal de la voiture individuelle vers le train, et voilà, que cette gare retrouve du service et qu'elle ne soit pas désaffectée comme elle est aujourd'hui avec deux trains par jour le matin et deux trains par jour le soir. Ce qui est apparu dans les réunions publiques de concertation autour du contournement est de Poitiers, les habitants ne réclamaient pas la déviation ici ou là. Ce qui leur importait, c'était de dire toutes ces déviations, elles auront un impact environnemental, et pour éviter d'avoir un impact environnemental, il vaut mieux développer une offre de transport en commun qui soit plus efficace, des pistes cyclables et des parcs relais qui réduiraient le flux au rond-point de Mignaloux.